Et Yorina, c'est Maître Nano, on se retrouve pour la suite de Resident Evil 3 Remake. Alors, on s'était arrêté où on a vaincu donc Nemesis en combat. Ensuite, il s'est muni d'un lance-roquette. Il nous a poursuivi jusqu'à la mort. A fait dégager le train. L'a même fait exploser. Enfin, était sur le point de nous faire exploser et le papy nous a aidés et j'étais énormément dégoûté de sa mort parce que c'était un perso très attachant et il méritait pas de mourir. Clairement, il méritait pas de mourir. Mais ça, c'est à cause de Nikolai, ce gros bâtard. Désolé de dire ça, mais c'est un connard. Merci. Alors, à partir de la gauche, 9, 9, 15, 7. Merde, je suis trompé. 9. Et je crois que c'est le même code que dans Resident Evil 1. Resident Evil 2. 9, 15, 7. Ouais, je crois que c'est le même code que dans Resident Evil qui, j'allais dire, qui contiennent sa coche. Voilà, bah on a fait ça pour une sacoche. Voilà, vous le savez maintenant. Mais dans Resident Evil 2, pourquoi je dis 7? Je crois que j'ai dit 7. Resident Evil 2, c'était une sacoche aussi. Donc dans les deux cas, on a récupéré une sacoche. Compris. À cet étage? Note un mot à un ami. Ok, donc voilà, déjà ça, c'est très bon. Là, logiquement, il y a un zombie ici, dans le casier là. Je préfère pas. Voilà, logiquement, c'est les zombies qui est là. Il y a quoi ici? Ah, il manque des piles. J'imagine qu'il va falloir qu'on fasse sauter ça. Ouais, mais il manque des piles, frère. Eh ben, je crois qu'il faut monter l'étage du haut. Là, ça sert à rien de rester. Une autre plante verte, je ne serais pas contre, clairement. Oh, une clé. Assez spéciale, par contre, cette clé. Ah bah, voilà, je disais que j'étais pas contre une autre plante verte. Voilà. Comme quoi. Même le jeu m'écoute, ce qui est très gentil. Oula, donc ça c'était les anciens codes de RE2. Je ne me souviens. Je sais pas pourquoi je m'en suis douté que t'allais te relever, toi, petit con, va. Non, il est sérieux le mec, là? Donc à cet étage, il a dit qu'il y avait le bureau des Stars. Le bureau des Stars. Ah là. Bah non, on peut pas passer. Bah oui, on peut pas passer, mec. Et on a une vieille clé usée. Alors attendez qu'on va l'identifier. Une clé qui permet d'ouvrir la porte de la salle des casiers. Qui permet d'ouvrir la porte de la salle des casiers. Donc il faut partir d'ici. Il faut qu'on parte d'ici. Là, on n'a plus rien à faire là. Ah, j'allais dire, faut pas que je fasse de bruit, mais bah, le bruit ça sert à rien. Elle est quand même là, cette merde.
Donc, bah en fait, je m'étais trompé d'endroit, c'est là qu'il faut passer. Et la salle des casiers se trouve là-bas. À moins que non, je suis déjà passé. Ah, attendez. Oui, c'est là-bas, la salle des casiers. C'est là, la salle des casiers, j'étais en train de me dire, mais c'est pas... On va ouvrir. Et c'est pour ça qu'après, ce sera ouvert pour Léon. En fait, c'est vraiment tout, tout relié. Ok. Donc. Là, c'est des balles. Là, c'est une grenade. Ah, 104. C'est là où il nous faut la pile. Donc, 104, on a la pile. Qu'on va associer, combiner à ça. Okay, je prends. Donc maintenant il faudrait 106, 106 et 109. Si on peut le faire. Donc 106. Ensuite 109. Voilà. 106. 109 la grenade. Ça peut servir. Ensuite de l'autre côté, est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, on entend le Charlie, mais on va pas le péter, on s'en fout pour l'instant. 106 et 109. Et les autres, il n'y a rien. Donc maintenant, il va falloir remonter discrètement. Casier du 3F. Casier du 3F, c'est DCM. DCM. Et ben on va le faire. On va marcher tout doucement parce qu'on sait qu'il y a le liqueur à côté. Et il fait tellement mal. Par contre, ça m'a pas trop surpris ce qui vient de se passer. Je m'en fous un peu les cou... Je m'en bats un peu les coucougnettes, tu vois. Voilà, tiens, il y a un policier suicidaire. Il en a marre de la ville, lui aussi. DCM. Maintenant que le mot de passe a été dit. Je m'en souviens. DCM, oui. Voilà. Maintenant, on va faire péter le mur. Et c'est pour ça qu'à mon avis, les conduits, ils explosent. Et qu'il y a énormément de, bah, de vapeur et qu'on peut pas passer comme ça. Je pense que c'est à cause de ça. Allez, on y go. Carlos, j'ai fini avec le terminal ici. Je te rejoins. Compris. Ouais, bah moi, je pose ma petite bombe, tu vois, au KLM. Non, il n'y en aura pas pour tout le monde là. Mais dégage!
Docteur Bard. Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Stars. Ils sauront quoi faire. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors trouvez une solution! Umbrella a perdu la raison, il massacre tous les chasseurs! Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies! Alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici! Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider, c'est à Mihail. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le doc. Ça va prendre un moment. Va voir si tu trouves quelque chose d'utile dans le coin. Se gratter les couilles, frère. Je t'ai pas dit que je me grattais les couilles, hein. Allez. Qui dit que je me gratte les couilles? Ok, là y'a rien, ici y'a rien. Y'a même pas un petit truc de soin. Bon, une grenade aveuglante. Ok. Oh, un spray de soin. Par contre, ça peut être que bon. Ah bah non, de toute façon, ça on peut l'acheter maintenant. Voilà. Et ici. Ok, donc ça parle du virus. Ouais, j'écoute. Déraillé. Y'a des blessés? Jill? Oh merde. Hein, quoi? Jill! Jill, qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de Bart. Oui, je pense que t'es la seule, oui. Largement. Allez. Et je pense que Nemesis aussi. Non, la seule survivante, c'est toi et Nemesis. Voilà, c'est tout. Le reste, tout le monde est mort. Même Mihail. Ouais, c'est lui qui a pu chercher, le vieux c'est Mihail. Voilà, le vieux donc il s'appelait Mihail. C'est lui que je cherchais. Donc je pense pas qu'on en aura besoin de nouveau. Donc on va enlever le crochet. Voilà, on prend le soin. Et on se barre. Est-ce qu'il y aura d'autres créatures avec les grosses bouches bizarres? Ah, je sais pas. Je pense pas et j'espère pas surtout. Ah bah, il y a surtout des zombies, donc on va pas aller leur tirer dessus, ça sert à rien. Ouais, non mais là, les mecs, va falloir arrêter grandement les conneries aujourd'hui. Parce que... C'est pas que je vous aime pas, mais je vous aime pas. Voilà. Au moins, ça c'est fait. Allez, on sort. Nickel. Il est
Ouais, il est toujours vivant. Il est pas mort, Némésis. Bah, échapper la créature, elle est où? C'est ça aussi. Parce que là, il n'y a pas de Némésis ici. Actuellement, échapper la créature, t'es bien beau, mon gars, mais. Il n'y a pas de créature ici. À moins que c'est après. Ouais, non, la plante, je peux pas la prendre, fillèche. Bon, allez, on monte, hein. Et on avance un peu tranquille. Il sait même pas nager. Hé, Carlos, réponds. Ouais, j'écoute. On a échoué. Le train a déraillé. Déraillé? Il y a des blessés? Ils sont tous morts. Mikhail, tout le monde. Oh merde! Nicolas nous a laissés, il nous a trahis! Quoi? Non mais je rêve! Il revient! Waouh, qu'est-ce qu'il est gros! Mais qu'est-ce qu'il est beau surtout! Qu'est-ce qu'il est putain de beau! Transformé en Super Némésis! Et là, cette fois-ci, c'est Super Saiyan 2! Il est beau de taré! Oh, c'est ouf! Tu vois, Gil, je suis pire qu'une sangsue. T'auras beau me tuer, je vais revenir. Mais bon, tant que t'auras pas accepté, en tant qu'époux, je te lâcherai pas. Alors, épouse-moi! Oh putain, il m'a fait mal. Il m'a grignoté, il m'a graillé. L'arme la plus puissante d'Ambrella! Pour l'instant, ça se passe bien. On va combiner ça. Tu vas sentir mon haleine qui pue! Oh putain, il me graille. Elle est ouf, ton nez! Je vais t'essouffler dans les narines! Voilà, il craint le feu. Il craint le feu, le pépère. Allez, viens là, toi. Mais putain, cette transformation, elle est tellement belle, on dirait une sorte de xénomorphe. Mec, tu t'es pris pour qui, là?
Ah ok, à mon avis. Oh le patin. Ok, bah le temps que t'es en train de faire ton connard, je cherche ce que je peux récupérer. Ok. Donc ça, je peux pas le récup. Ok, c'est des mines. Ok, on a compris tout ce qu'il fallait faire. Ma salope, je suis en haut. Là, tout en haut de la tour. Essaie de me viser. Ok. Ok, là il est en train de faire son. T'inquiète. On va récupérer déjà des munitions. Ok. Ah, il est costaud. Il est très costaud. C'est pas le Nemesis qu'on affronte avant qui était tout pourri du cul. Maintenant. Alors le combat était bien mieux que le premier, malgré qu'il était plus stylé le premier. Parce que j'aimais bien que le lance-lame et tout. Ah non mais celui-là était bien plus long et tu vois qu'au moins c'était un boss. C'était plus intéressant. Par contre je n'ai plus rien. Je suis complètement vide. Ouais ça va encore. Mais bon. J'aurais préféré avoir un petit peu plus. Bon. On regarde si on n'a rien manqué. Il faudra prendre le couloir où il y a Nemesis. Enfin, je pense. Ah!
Intéressant. Tu m'as rendu un grand service, Jill Valentine. Jill ! Hé ! Parle-moi ! Tayal, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Jill est infectée. Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Accroche-toi, super flic. Ça va aller. Tiens bon, Jill. Je vais te le trouver, ce vaccin. Tu vas t'en sortir. Oh putain, la pauvre, elle s'est fait infecter. Oh la pauvre. Par contre, avec lui, je sais plus ce que j'ai. Ok, j'ai ça, ça et ça et ça. Ok. Ouais, au pire, on va se laisser là, vu que c'était pas mal. Est-ce que je peux récupérer un truc? Non, je peux rien récupérer. Ah, ça, je peux le jeter. Je le disais bien. Voilà, comme ça, ça, je le jette. C'est nickel. Ouais, parce que je pense que si on avance, il y aura peut-être une cinématique. T'inquiète pas, on va te sauver, Jill. Bon. Et ben nous on va se laisser là les amis. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour la suite de Resident Evil 3 Remake. Allez, ciao ciao tout le monde.